Le match entre le Gabon et l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015, fait déjà vibrer certains amoureux du ballon rond. À Libreville, les supporters donnent déjà leur pronostic. 2-0, c'est le score. Et c'est tellement, si les Angolais laissent molle leur équipe, je crois qu'ils prendront 3 ou 4 même. Parce qu'il faut avouer que le Gabon a une très bonne équipe, des joueurs en forme dans leurs différents championnats, surtout les joueurs expatriés. C'est fort évident que le Gabon sorte de là avec 3 points, c'est sûr et certain. On espère que le Gabon va gagner et mener 2-1. Le Gabon 2 et l'autre pays 1. Le Gabon va l'emporter 3-0. 3-1 en faveur des Panthers. Une victoire qui promet pour le Gabon et que les supporters espèrent de tout cœur et surtout de voir leur idole Pierre-Emerick Aubameyang être le messie qui va conduire les acteurs à l'emporter. On a Pierre-Emerick Aubameyang et on a Paloun, on a Boulot, vous ne citez que cela. C'est comme un apport pour vous, comment Aubameyang est plus long, c'est quand même un apport pour l'attaque camerounaise. Donc du coup, même si on n'a pas une bonne préparation, mais quand même, ce Dieu-là, quand même, Dieu, ce Dieu-là, devant, comme ça, ça peut aller. Aubameyang est venu, c'est lui qui va marquer le but, je suis camerounaise, c'est lui qui va marquer le but. 1-0, et ce sont but que j'attends de lui. Je mets le drapeau ici en faveur de Aubameyang. Les Gabonais attendent patiemment cette rencontre. Ils attendent surtout la victoire qui pourra davantage renforcer la bonne ambiance entre les joueurs et les supporters gabonais.